Eh bien, salut à toutes et à tous, c'est Enzo, comment allez-vous? En tout cas, moi ça va super bien. On se retrouve aujourd'hui, nous sommes aujourd'hui le vendredi 2 avril. On se retrouve évidemment pour une nouvelle vidéo. Comme vous vous souvenez, il y a plusieurs mois, je vous avais teasé une vidéo où je vous parlais d'un prochain vol que j'allais prendre avec ma famille en direction de Toulon hier. Ce premier vol qui est effectué par Luxair en Bombardier Q400 en partance de Luxembourg et qui arrivera demain à Toulon. Donc, comme je vous l'avais promis, troisième vlog sur cette chaîne que nous commencerons demain matin. Donc, qu'est-ce que je souhaite vous montrer dans ce vlog? C'est avant tout vous montrer tout d'abord ce premier trajet entre Luxembourg et Toulon. Puis ensuite, je vous en avais parlé la dernière fois, le water salute de la part des pompiers, c'est-à-dire que c'est les deux camions de pompiers qui seront mis devant le terminal et qui arroseront le Bombardier lorsque l'on arrivera. Et c'est quelque chose que j'aimerais vous faire partager parce que c'est vraiment une très belle chose à voir. Et puis ensuite, bien évidemment, le trajet vers Cavalaire, et puis suivra ensuite le fameux reportage ou le vlog numéro 4 dont je vous avais parlé, où cette fois-ci nous allons découvrir ensemble la ville de Cavalaire. Je vais vous présenter plusieurs endroits, plusieurs lieux, des plages surtout, parce que c'est vraiment le cœur du tourisme à Cavalaire, ce sont avant tout les plages. Et tout ça, vous pouvez le retrouver donc dans le reportage qui arrivera très bientôt. Voilà, donc là vous êtes dans le troisième vlog. En partance pour Toulon. On se retrouve demain matin pour le départ vers Toulon. Jusque demain, portez-vous bien et ciao! Salut à tous et bienvenue dans ce troisième vlog où vous allez avec moi pouvoir vivre le voyage Luxembourg-Toulon que nous avons effectué en Bombardier Q400 le 3 avril 2021. Nous avons voyagé sur Lima X-Ray Lima Golf Echo, donc qui est l'avion qui a été repeint en stand-up livery avec l'écriture orange Luxair. Et pour les détails du vol, je vais vous les donner tout de suite.
Donc pour les détails du vol, on a quitté donc la porte B7, on a pris la direction de la piste 06 et nous avons décollé au heading 058 et nous avons pris un cap direction Metz-Nancy vers le sud. Ensuite nous avons survolé la Suisse avec Genève, le Mont Blanc, etc. Puis nous sommes arrivés à hauteur de Cannes où nous avons pris un virage sur la droite pour rejoindre l'aéroport de Hyères où nous avons finalement atterri en ILS 05 sur l'aéroport de Toulon. Comme vous pouvez le voir sur les images, nous sommes arrivés sans l'accueil des pompiers, comme je vous l'avais dit dans les vidéos précédentes. En général, lorsqu'un nouveau vol est inauguré, les camions de pompiers arrosent l'appareil des deux côtés. C'est une façon de baptiser un nouveau vol. Sauf que là, j'ai appris par un utilisateur sur Facebook que suite à un accident qui avait eu lieu sur l'aéroport de Toulon, avec un avion qui avait eu un problème lors de l'arrosage, ont annulé finalement tout arrosage d'avion lorsqu'ils arrivent à l'aéroport de Toulon. Ce qui fait que maintenant, nous n'avons pas eu le droit du coup au fameux jet de la part des camions de pompiers. Ce qui était dommage parce que c'était vraiment un bel atterrissage, il faisait vachement beau ce jour-là et puis en plus,
ça aurait été vraiment sympa de pouvoir vivre ça, mais bon. Néanmoins, nous avons plein de belles photos, enfin j'ai plein de belles photos à vous partager, des photos de la part de l'aéroport de Toulon, mais aussi des photos que j'ai prises moi-même en descendant de l'appareil. Bien évidemment, l'équipage a pris quelques photos avec le personnel de l'aéroport juste devant Golf Echo, histoire de marquer un peu ce nouveau vol. Et puis ensuite, nous avons récupéré nos bagages et nous avons pris la direction de Cavalaire. Voilà, ce sera tout pour ce troisième vlog. J'espère qu'il vous aura plu. C'était un vlog plus ou moins court. Ne vous inquiétez pas, le quatrième vlog arrive tout de suite. C'est le vlog consacré à la ville de Cavalaire. Je remercie encore une fois la ville de Cavalaire qui m'aura aidé pour préparer cette vidéo. Je remercie surtout Amélie de l'Office de Tourisme qui m'aura aidé à préparer cette vidéo. La vidéo sur Cavalaire arrive dans quelques jours, quelques semaines. Jusque-là, portez-vous bien et on se retrouve très bientôt pour la vidéo de Cavalaire. À très bientôt. Ciao !